Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue sur TV du peuple RD Congo. Voilà une chaîne toujours présente, toujours à proximité du peuple congolais pour vous informer, mais aussi faire l'autopsie de la situation politique congolaise comme à l'accoutumée. Mesdames et messieurs, voilà aujourd'hui, nous allons parler voilà, de quelques informations qui circulent, voilà, ça y est là, et aujourd'hui on va essayer un peu de faire une analyse par rapport à l'information où ils ont circulé. Mesdames et messieurs, voilà, nous venons d'apprendre que la cour d'appel de Kinshasa Gombe a condamné M. David Blattner, DG de Sarficas, notamment à 20 ans de prison, tout encore 20 ans de travaux forcés et la restitution de 832 millions de francs congolais, voilà. Donc c'est juste pour le détournement des deniers publics alloués au son des moutons de l'UPEN. Mesdames et messieurs, voilà, DG Oyo, Aza DG à Safricas. Vous savez vous-même que Safricas, c'est une entreprise qui nous aide à bitumer nos routes, qui nous aide aussi à faire des ponts. Mais malheureusement, DG au directeur général Nabango, M. David Blattner, voilà, je pense qu'il avait aussi gagné un marché pour Namakamba Saut des Moutons. Mais ce monsieur, Pesakaï Mbongo, pour Namakamba Saut des Moutons, Aliango. La lingala, Balobaka Aliaka Mbongoana. Donc il a détourné l'argent de l'État. Donc, Fitch, c'est qui des autres comment Kobongi Sambo Cannabiso, mais il y a des gens au Basta Kuluka Kobébi Sambo Cannabiso. Vous voyez? Tshisekedi, président de la République du Congo, il a fait de la réalisation de la ville nouvelle de Kitoko l'une de ses 10 priorités. Nous sommes au bord du mythique fleuve Congo. Et cette ville est la ville du futur. Kitoko innove sur le plan mondial en se dotant d'un concept écologico-urbain. Encore jamais tenté au monde, la ceinture verte. Baptisée l'Agropole, cette ceinture verte est une zone agricole et forestière de 10 000 hectares. Kitoko est située à 20 minutes de Kinshasa. Kitoko Express, train de dernière génération, sera le lien entre la capitale et son extension desservant l'aéroport international de Ngili, puis Kitoko, le transport fluvial. Sera également un atout important dans la fluidité du réseau. Conçu à la pointe des exigences modernes du confort humain et de la haute technologie urbaine, Kitoko est la première ville zéro émission carbone. 20 000 hectares, dont la moitié sont dédiés aux bâtiments et l'autre à la nature et aux espaces verts. La cité ministérielle de Kitoko s'étend noblement sur 120 hectares. Elle est dominée par 8 tours ministérielles et le bâtiment de la primature. Chaque tour est composé de 3 bâtiments afin de faciliter la répartition des ministères. Placé dans l'axe dominant de cet ensemble architectural aérien, la primature offre 25 000 mètres carrés d'installations et d'équipements de dernière génération. Formée de 2 pyramides inversées dont l'impact visuel frappe les esprits, la mairie offre une salle des fêtes à la mesure du pays. Elle peut recevoir jusqu'à 800 convives, tandis qu'une salle des pas perdus aux dimensions de cristal relie les deux pyramides. 29 000 mètres carrés, 3 niveaux et une capacité de 2800 places, le palais des congrès de Kitoko est l'un des plus vastes qui soit à l'international. Hôpital et université tout à la fois. Doté des meilleurs équipements qui soient, le CHU de Kitoko veille sur la santé de sa population avec un héliport pour les urgences lointaines et l'assurance maladie pour tous. Toujours dans le domaine de l'enseignement supérieur, Kitoko offre aux générations montantes des opportunités de savoir et d'apprentissage du niveau d'exigences internationales. Son université numérique forme notamment aux métiers des futures intelligences artificielles qui sont déjà la réalité de notre monde moderne. Le dessin du palais de justice est le symbole même de ce qu'attend une population contemporaine éduquée et consciente de ses droits et de ses devoirs. Il représente l'équilibre, l'équité et une vision juste d'une citoyenneté choisie
et incarné. La Banque de l'Habitat va jouer un rôle central et déterminant au sein du projet du président Tshisekedi de réaliser un programme quinquennal de 250 000 logements. La Bourse de Kinshasa, cœur financier des affaires du pays, est abritée avec la Caisse des dépôts dans deux tours contiguës. Lancés vers le ciel comme l'avenir de la nation, les tours de la Gécamines dominent l'espace aérien de Kitoko. Ouvertes à tous, hautes de 60 étages, elles offrent des espaces de travail et de détente, sport, sauna, restaurant et parking sur plus de 80 000 mètres carrés. La tour des médias réunira les meilleurs de la communication et de la technologie pour s'assurer que les centres de médias numériques offrent des conditions exceptionnelles et l'efficacité pour leurs clients qui n'a jamais été égalée en Afrique. La grande tour de Kitoko défie les idées reçues sur l'architecture et les dernières prouesses urbaines de notre siècle. Alignant 42 étages couronnés d'appartements de très haut standing, ce gratte-ciel propose aussi un hôtel de grand luxe aux visiteurs grâce à sa hauteur de 140 mètres carrés. Étages appartements luxueux. Pour les visiteurs de passage, un hôtel de rêve offre 306 chambres étoilées sur 6 étages, ouvrant leur balcon sur la nature et au loin les rives du fleuve Congo. Situé à 18 km au nord de Kitoko, le complexe présidentiel est à la mesure de l'élite dirigeante qu'il reçoit dans les salons de réception, les salles de banquet et les espaces de travail. Les équipements médias les plus high-tech permettent une parfaite efficacité, tandis que de vastes espaces sont réservés à la détente. La résidence présidentielle. On vous fait confiance, Mbappé sur au marché, au lieu de travailler avec toute sincérité, mais aux Imbongo au lieu. Pour les Congolais, bakara na ko subir non les amis malamouté mesdames et messieurs ce qui chef de l'état ça diminue confiance à pessimino marché mais vous devez faire preuve de quoi vous êtes capable il faut pas la question de l'inimbo cannabis déjà aux africains à sa congolais il n'est pas congolais mais il travaille en synergie avec les congolais bapé simbongo. Pourquoi les Congolais ba dénoncent qui était parce que tant que si mon pour ça la musala wana ba to ba vanigné. Non mesdames et messieurs. Donc soit on continue bongo biso moko to za ba porter malheur ya mboka na biso. Or tout ça la capacité ni surtout ya ko bongisa mboka na biso ya ko faire développer mboka na biso. Mais biso moko parce que to ligni mbongo. Nous acceptons Yakuti Kambo Kanabiso et Tikala Sima alors que d'autres pays avancent. Les Ghana avancent. La Zambie avance. L'Afrique du Sud n'en parlons même pas. Kaka Congo Nabiso. Or aujourd'hui, nous avons un pays, un président de la République qui a ses soucis. Yakubon Sambo Kanabiso. Mais Kaka Biso Mokoba Congolais toujours le Kakoma ko rétropédaler ba action naye. Toko freiner ba vision naye. Et ça m'a mouté. Déjà, les Africains, c'est Benjamin Wenga. Et plutôt, il y a OVD. Il n'a pas gagné un marché. Il est plutôt congolais. Mais Zimbongo, allié.
si côté on vraiment chef de l'État a signé un contrat avec les expatriés pour le bagage chef de l'État Zamabé. Parce qu'il vous fait confiance après si va marcher alors bino vous avez des connards congolais, vous avez des entreprises qui sont capables y a que bungisa bah infrastructure nabiso tout infrastructure y a un beau cannabiso, on vous fait confiance pour gagner le marché. Alors au lieu de travailler pour nous séduire chef de l'État pour que prochainement vous soyez sous marché nous sous mais bien ce que vous besoin bah pèse bien au bongo bolier pour que bah finir chef de l'État qui nous ne fait rien. Non, nous devons aider le chef de l'État à s'amuser malam. Yo il est bien aux Congolais aux gens pour s'embrouiller avec des libosso tu gagnes les marchés chef de l'État pèse sur confiance bah pèse bongo et puis toujours des millions. Même pas 20 000 dollars, 100 000 dollars, 500 000 dollars, des millions de dollars. Tout ça, bon, on a mis sur les ciment. Ça, nous devons dénoncer, mesdames et messieurs. Ça, nous devons dénoncer, mais aussi et surtout plutôt encourager notre justice, aujourd'hui qui est devenue indépendante, qui agit selon les textes. Voilà ce que nous voulons, l'amour en abysso. Au départ, c'était M. Vital Kamere qui a été arrêté. Qu'après le combat de détournement, des millions de dollars pour être disparu. Donc, on vous donne l'argent comme ça pour que l'amour en abysso, vous dilapidez l'argent de l'État comme ça. Nous sommes là tout pour la raison que l'amour en abysso a ciment. Non, là vraiment, nous devons dénoncer. Nous devons dénoncer, mesdames et messieurs, avec la dernière énergie. Et puis, la personne dans la justice. Et donc, il y a des gens qui ont été condamnés. Ce n'est pas 20 ans de prison. Il faut restituer mon à l'État pour que ça soit là. Vous avez vu, monsieur le ministre Willy Bakonga, ministre EPST. La communauté internationale va soutenir via chef de l'État, il y a gratuité en enseignement. Donc chef de l'État a récolté bon ebélé pour nous soutenir gratuité en enseignement parce qu'ils ont recommandé, ils ont reconnu la constitution d'Abisso. Chef de l'État a fait un effort surtout pour que ce soit le peuple congolais, mais Abisso n'a pas congolais, tout ça l'effort pour la raison que c'est ici. Regardez les ministres, il y a EPST. Mais eux travaillent pour qu'on contrecarre la vision chef de l'État, plutôt pour qu'on bondit ça. Vision chef de l'État, il y a gratuité d'enseignement. Il le fait comment? Avec des écoles fictives et des agents fictifs. Donc, bongozo bimaka, ezo bimaka, que non croyant que non, enseignant parce que ça va bongo na bango, zo rende ba agent mususu ba bakisama, ya lokuta. Mbote. Mbote. Oh, kombe koli. Bakonga. Willy Bakonga. Willy Bakonga, oui, ministre. Oui, école à l'État. Comment école ni? Bakonga. Comment on appelle école Willy Bakonga? Ah, toi, on a un bokani. Bokake. Bokake. Est-ce que vous classez ni la classe ni? Première et sixième. Oh, la Xanga, il y a la classe en haut, la première et la première. Deuxième. École Willy Bakonga, deuxième yango. Oyo. Troisième. Bon, bah, tableau, ça va pas comme arabe. Ouais, puis tableau là. Qui s'en a tableau là? Tableau. Troisième. Oh, c'est quoi? Ah, quatrième.
quatrième. Tableau. Cinquième, Yango. Oh, tout le monde est baban. Yango baban. Ah, ok. Oh, cinquième, sixième, Yango Kuna. Yango. Au tableau à cinquième. Au tableau à sixième primaire. Siko, nani, wese zap, toilette. Classe, école, bandi mukumbula ni. Oh, kaka mbulo, kaka mbulo. Ah, bandi siko. Bon, siko, loba nan. Problème na bino ezani. Posa na bino ezawa, basa anini. Elo ni bo zangi, souci na bino ezani. Toke ka bo, po ba nga pepa mona. Souci na bino ezaboui. Omale bisona ekolo to oyo ya yo boso kuna wala ngombe tuza trajet mulai ça fait vale sur 6 km 3 km na ndamu mais le bala baza ko souffrir ba souffrir fo atambola tikuna bana mo sikonde tango peto zipe epe a papa wili ba konga ba de gaso ba ye ba tebe se kola oni sikonde to bandiko kone ni vwe musala tuto ba ko mino ba tuto kuma ta ko tote ya ngwa tuza ba sala ke ekole etelem a o ba ye ko cha ezayi ba tu ya papa wili ba konga delegation na ye nde ba temi se ekole et puis ba pesi bino moyen ya rotonga bino mo botongi biso mo ko tonga a bino mo population nde botongi boluki bandele bandete na bino to ba mo ba tike bino nini a tableau donc nde la so ba ba tangi mo mbulo yo ba osala tena fep ba ko sa ngwa ningen na bukato bukato la 3 akola bo ba kanini ningen de 3 ningen de 3 na bukato la santo eh po ke ba se so ba kanaki formation kuna bukato ah ok ok siko awa ba enseigna ba na na zo futa ba zo kande ba école mususu so ki 12000 école ya lokuta izala raté. On va se mettre en français, école fictive. Mais les dates où ils sont pour la école ouana, tout pour la agent yosoana, bon ouana ils ont une raconte y a nani, y a ministre Willy Bakonga, n'a pas acolyte n'a y. Et puis vous avez entendu Bosso côté le maintenant chef de l'État c'est le logo moroté. Tu sais qu'il doit partir, il ne fait rien. Avec tous les efforts consentis, le chef de l'État, il fait des sommiers pour remettre le pays sur les rails. Il fait des sommiers pour signer des partenariats liban à Mboka pour que Mboka n'a bisou liboso. Mais bisou Mboka Congolais, tout ça, l'effort pour la cause de Sima. Pourquoi tu dois finir à cahier? Ce n'est pas normal. Et puis, pour le moment, le journaliste, le Kissi. Le journaliste, le n'importe quoi. Non! Nous sommes là pour nous dénoncer. Et ça, madame Mouté, Dieu vous a donné un bon président, un chef de l'État qui respecte le peuple congolais, un chef de l'État qui valorise aujourd'hui le peuple congolais. Mais si vous avez dit que tous ont eu ces ciments pour qu'il affine à Maka. Bon, il ne fait rien. Mais non, ça, ce n'est pas encouragé. C'est révoltant, mesdames et messieurs. Comment est-ce qu'on débourse l'argent pour la misala et qu'on débourse la misala en Mboka? Batonga banzela, ba embouteillage ici là. Batonga ba hôpitaux pour que ba Congolais ba mesu liban na Mboka te pour na soins médicaux. Mais biso moko ba Congolais tous en bongo na touchant la poche. Nous envoyons nos enfants na poto. Bango batanga ka bien kuna na poto, mais awa bana batanga ka mabe à cause il y a un individu. Pourquoi? Non,
ça, nous devons dénoncer, mesdames et messieurs. Nous devons dénoncer. Justice, il faut. En tout cas, coup de chapeau à l'inspecteur général de finances, M. Jules Alinguette. En tout cas, bravo pour nous ça là. Ni t'étais toi, tu as évité ma gamboana et il y a un détournement de notre rapi. Autrefois, dans Platon, il y a TV du peuple. Mon confrère Shadang Nibouyambaka, un économiste financier auto DG à Horizon Intime, Ayambaka et Awa. Alors, ma gamba, IGF et Belé, qui est décret loi. Pour la Macambo, où est-il, IGF, l'ex-ministre, l'ex-premier ministre, ou encore les premiers ministres honoraires, Adolphe Muzito, a annulé Kayango en 2011. Pourquoi annulé Kayango? Il avait expliqué. Tu as évité ce qui a annulé Kayango pour la Luka Kouma, qui détourne Kambo, Mbongo et Nabiso. Tu as évité. Mais ce qui est le chef de l'État, à ce qui est Mokano et à Kozongi, sa IGF, Inspection Générale de Finances, pour y traquer tous les détourneurs, tous les voleurs de l'union publique, tous les individus qui écument les trésors publics. Il faut pas la traquer. Ceux qui inspection de finances pays et ça là qui contrôle la EPST. Mais le chef de l'État a fingama. Tout le monde qui n'est pas catholique, qui a monté au créneau. Il y a non, gratuit enseignement à l'Okuta parce qu'il y a d'autres professeurs qui ne sont pas payés, d'autres écoles, ils ont monté. Alors que mon bimara chaque mois, mais mon ezo kende, bisika mususu. Et ça, vous voulez que soit journaliste, tout encourager en gros. Bisso, tous ceux qui sont censés être au milieu du village, Yamabe, te dénonce ça. Mais bien chaque fois que Bisso se rend pour dénoncer Mabe, mais surtout pour encourager, ma camarade, où est-ce que Mambo en a Bisso? Ça, on ne peut pas encourager. On ne peut pas encourager. DG Wenga, même moi, en prison. Pour quelle cause? Détournement des deniers publics. Mais Mongo Bimi pour la basse du mouton Banzela, Ali Mbongo. L'honorable Vital Kamere, Ndenge Moko, tout le monde qui a procès au public, il est en prison aujourd'hui, pour la même cause. DG à Sokok, au bateau qui s'est calaté par les vice-ministres de la justice, tu es habité à Bimisaka Ndenge Nini, déjà tout le monde qui a eu une émission précédente. Il était condamné aussi pour la même cause. Le loi est condamnation, il y a 20 ans de travaux forcés, il y a DG à Safrikas. Même cause. Bon, elle était bimi, bon, on va se lier en haut. Non, ce n'est pas normal. Et puis, vous avez un bon abuso qui est libosso. Et coquin de libosso, n'est ni tant que bon, vous avez un bon cannabis, vous avez un bon lien. Non. En tout cas, IGF. Bravo, bosala musala malam derrière tous ceux de la rapport musu sur fond à Colosie. N'importe qui boutine n'aille battre na Colosie, qu'on a pas parce que nous salons inspection, parce que nous salons contrôle. Il y a province, il y a loi là-bas. Donc tous ceux de là-bas, information, tout rapport, il y a malamou, peut-être le bel ayango. Ceux qui battent, bah ils battent qui mangent na province, il y a là-bas. Nous allons encore dénoncer. Et c'est ça notre travail, parce que nous devons encourager le chef de l'État, nous devons pousser le chef de l'État, Félix Tshisekedi, bien faire ton travail. Voilà les soucis. Il y a un peuple congolais, ils ont qui est libosso. En tout cas, c'est révoltant. Nous sommes en train de souffrir. Bah, bazo tanga malamouté. Babo tina biso, bazo salamoussala. Bazo fouta ma malamouté. Ba businesseur, bazo qui n'a pas voyage ainsi de suite. Bilo kezo pola. La manzela. Nyon soana, bato baza kolo bayango. Écoute la matou à chef de l'État. Alors, bon, na yo ki kolela peuple congolais, bazana posa banzela, bazana posa boye na boye. Abimi simbongo, pona ko remédier na ba solution ya peuple congolais. Mbongo bimi, kaka yo moko congolais, oza ko ba boye na boye, oza sumongo na ole yango.
et puis vous voulez qu'il nous bouge à bouger les libosso. Mesdames et messieurs, nous devons changer mentalité. Il faut que changer mentalité na biso. Ce qui est le numéro na biso qui na libosso, totika qui moibi, totika ma kamwa détournement. Osa directeur, osa ministre, osa député et député, contente-toi de ce que tu touches. Si on te paye 1000 dollars, 1500 dollars, contente-toi de ce que tu touches comme salaire, comme émolument, bien comme voilà. Donc vous voulez devenir riche rapidement comme ça, illicitement, pourquoi? Donc vous sacrifiez tout un peuple pour na yomoko. Non, ils ont mal à mouté. Ils ont mal à mouté. N'aimé qui est besoin dans Nangaï. Partout, aux États-Unis, Canada, Afrique du Sud, au Congo, Brazza, Kinshasa, Lubumbashi, partout, besoin dans le Bolandagadante du peuple. Tout le bien qui est besoin de la rendre pour nous dénoncer, ma bénin, surtout pour nous encourager, chef de l'État, à Salamoussala, Naïe, bien. 832 millions de francs congolais. C'est la normalité. Chef de l'État a aussi signé un partenariat avec 416 millions de dollars dans l'Égypte. Mbongo n'est pas une. Ils ont construit ville Yasika. Oh, je me rappelle, c'est un combo Kitoko. Ville où il y a Maluku. Il y a extension à Kinshasa. Vous voyez des idées? Vous comprenez où est la vision du chef de l'État? Mutumoko avant de, donc c'est à dire que hein, ceux qui veulent ça études il y a comportement chef de l'État, donc chef de l'État a un comportement moko boyé en tout cas un peu différent dans Abissou. Non, franchement là maintenant il faut le dire, là maintenant il faut maintenant tout le bango vérité. Vous voyez que sa façon de travailler vraiment il est vraiment différente de la façon dont Mutumoko va travailler. Ses projets, ses visions, ses idées, tout ça et ça pour la collègue c'est que nous avons un bolingo mboka na biso pour que mboka na biso qui ne liboso mbongo on a 416 millions tango et comment awa et comment non et tika li 200 et comment non au 205 porté disparu et comment non de ce qui directeur ce qui n'y ainsi de suite yon bakangi pour n'y aïe baki mbongo na en tout cas chef de l'État tous en abino faites un effort yakoutia batu ama lamo dans ma entreprise n'y ont tout faites les remaniements. Batu nyonso ba iba mbongo na mboka na biso, batu nyonso oyo ba iba mbongo ya peuple congolais, ils doivent partir. Ça batu asika, ba oyo ba ko soutenir yo, ba projet na yo, ba vision na yo et que de liboso. Parce que tout ça n'a pas ça changement. Tu dis que non, aux ana pour ça mboka biso que de liboso parce que nous sommes en train de voir déjà ba vision na yo, ba projet na yo ainsi de suite. Vous avez cette ferme volonté ya ko faire développer mboka na biso. Mais batu nyonso oyo ba zozo sima. En tout cas chef de l'État, nous vous prions longa la bango. Il faut les écarter. Il faut les écarter. C'est pour votre bien. Parce que si vous écartez Bangote chef de l'État, vous voyez que la prochaine élection, et vous allez moins passer pour le peuple congolais à élire. Le peuple congolais a élire au cas où la prochaine réunion se tourne. Toutes vos promesses et s'accomplir, vous verrez que le peuple congolais a voté dans l'élection prochaine. En tout cas, mesdames et messieurs, pour comprendre, on a aussi le temps parce que c'est vraiment révoltant. C'est révoltant. Mon père travaille, mais pour me foutre ailleurs, ça passe. Mais il y a d'autres personnes, parce qu'on s'est payé là, dans le monde où il y a l'État. Donc, Babo, c'est un bisou. Bisou, mon retour, ça, la ramisa, là, tout foutre à ma rabienté. Nos militaires pleurnichent chaque jour parce qu'ils ne sont pas bien payés. Nos policiers pleurnichent chaque jour. Ils sont en train de chialer chaque jour parce qu'ils ne sont pas bien payés. Alors qu'il y a des généraux, il y a des gens au bazar chargés à foutre à Badouana, mais ils sont en train de lire. Et vous voulez que Bisou soit encouragé, Yango? Non. C'est impossible. C'est vraiment impossible. C'est vraiment impossible. L'IGF doit faire bien son travail. Il travaille en synergie avec la police judiciaire pour traquer tous les détourneurs, tous les voleurs des lignes publiques, toutes les personnes qui écument les trésors publics doivent être poursuivies. Et puis, ils doivent restituer Mbongo à l'État pour que Mbongo cannabis soit de liboso. Vous voyez des projets, il y a chef de l'État. TGV. Train à grande vitesse.
Tshisekedi Félix, chef de l'État, lobby, il faut construire rail électrique. Mesdames et messieurs, rail électrique, on a un courant permanent. Donc, il est d'abord censé stabiliser courant à Bissau. Donc, il faut qu'il y ait de l'électricité en permanence. Tant l'électricité, on a écouté en bourg à Bissau. Tout courant, on a écouté en bourg à Bissau, courant permanent, écouté en bourg à Bissau. Et vous allez arrêter pour la TGV, on a non. Et que ça, pour le peuple congolais, si vous avez besoin, beaucoup de courant, on a. Parce que TGV on a été en train de rail électrique et non rail en abysse ou yakala, non, rail moderne, rail électrique, rail au salam à la courant. Donc, si vous avez un peu de rail à la Kolongoulou, au Koufi, vous serez électrocuté pour au Koufi. Non, rail wana a rail moko, écoutez, quand bon et belé pour passer à l'ango, mais ça n'a pas besoin 4 ans. Alors, tout peut changer en chef de l'État, tout encourager, la prochaine nous sommes malades, mais au salam, à Zanango. Afrique du Sud, TGV ça. Ceux qui est Ghana, basé la TGV. Ceux qui est Nigeria, basé la TGV. Boye bisanga Nigeria à l'équipe sur la Nini. Afrique du Sud à l'équipe sur la richesse. Est-ce que Ghana à l'équipe sur la richesse? Non. Et ça volonté, volonté à peuple. Volonté à peuple là-bas dirigeant la Bango. Tant que je suis volonté, on a comme ça, on a la Bango. C'est pourquoi vous vous attendez de voir Bango la Bango. Et ce qu'on a dit, mais ce que chef de l'État a la volonté, et que Bissau peuple, tout le monde a koyiba, tongo po, kozota koyiba, olali pongi, ozota ki mouyibi. Moi, je suis dit, soutenons le chef de l'État. Il doit travailler, il doit œuvrer pour le peuple congolais. Voilà, mesdames et messieurs. Vous croyez que ceux qui t'aiment, je vais écouter un bon ami, bon, il va nous dire dans la caisse de l'État. Parce que ma marchandise va nous dire dans la Katiwana. Les gens vont nous dire dans la Katiwana. Ils vont nous foutre. Mais bon, il est belé. Ils vont nous dire dans la trésor public. Ma projet, je suis tout. Je suis en train de. Et vous êtes là pour que vous vous en train de vous. Puis, contre chef d'État signé dans l'Égyptien. Pour que ça. Promesse il y a Kassai Central. Il y a vu il y a Kananga. Les Égyptiens Bazawana. Pour la Costa Banzela, ainsi de suite, pour que contrer en paix et se développer. Mais pour moi, il y a Batouma B pour Baza pour le Kakuma pour contrecarrer le prochain chef de l'État. Pour que Mokawana Kananga, tout Kassai Central, et Kanana Sima. Alors que Baza permet à Angola, ceux qui passent les Banzela. Et côté Angola, ainsi de suite, c'est ma frontière qu'on a tout ça par-ci par-là. Cette ville de Kananga va se développer. On a un clin d'œil. Mais parce que Bissau Congolais, Tolingi, développement Bogan a vu sauter, Tolingi a besoin de chef de l'État à Sima. Non, ça nous devons dénoncer. Il faut dénoncer. Ça nous devons dénoncer, mesdames et messieurs. En tout cas, merci beaucoup à la justice qui a condamné M. David Blattner. Je pense que. Justice, et ça, c'est la Nango, Nengi et Sengeli. Voilà, mesdames et messieurs, nous avons besoin d'une information où ils ont circulé, Mingi Mikolo, Balobino, 400 militaires, basés en fuite, naba munitions, naba armes, Bauti Kamina, Bakimina, base militaire à Kamina. Non, mesdames et messieurs, ce faux archivo, Bakimita. Bas militaire, Wana, basé qui affecté na Tikapa. Il fallait pas qu'il n'ait Tikapa pour le service dans son autoparal. Donc, il a affecté la Tikapa. Le militaire a attaqué des trains. À partir de Kamina, il faut pas qu'il n'ait Tikapa. Mais le train a dit qu'il n'y a pas de Tikapa. Mais le militaire a mis la munition parce qu'ils ne sont pas bien payés, ils sont mal gérés, et ainsi de suite. Tout ça. On a quoi éclabousser comme chef de l'État. Non, mesdames et messieurs, avant de publier quoi que ce soit, vous devez vous assurer que nos informations sont publiées, on les a vraies. On a fait un effort. Avec un effort, il y a attendre qui le commandant, il y a base militaire, il y a Kamina. Alors, non, il va quitter. Il va attaquer des trains, mais très on a un comme un Tikapaté. Mais tas qu'on n'est pas du yambour en abîme au Liban, militaire va kimi. Non, tout ça,
Et ça, pour ça, mboka na sima. Et ça, mboka na sima. Voilà, nous allons chuter avec la dernière information. Il y a. Voilà, nous allons nous comprendre que nous sommes déjà énervés. Pour nous, nous avons un abysse vraiment. Voilà. Nous devons soutenir le chef de l'État, ça n'est bien. Voilà. Prochaine nomination, il y a premier ministre. Bimuru Baby, comme il va nous circuler, Marie Foku, Basi du Kwebo, Augustin Kabouya, secrétaire général, il y a IDPS, c'est la Top Congo. Alors, qui coûte IDPS et ça qu'on a T, dans ma le premier ministre. IDPS coûte ça qu'on envisage T, qu'on a un premier ministre. Donc, premier ministre, après, on a parti ensemble pour la République. Après, on a MLC, après, on a AFDC, après, on a un dissident, il y a FCC. Voilà. Donc, IDPS, le lobby. Bangokuna bazate na ma premier ministre donc chef de l'état yemurundi ayebi mutu nini oyo akonome po a sala effort ya ko soutenir chef de l'état na ba ordonnance na ye ton avion ya chef de l'état. C'est pourquoi chef de l'état aza censé renommé un bon premier ministre ya choix na ye oyo akobana ko exécuter bah ordonnance naïe sans respectance. C'est ça même le souhait du peuple congolais. Parce que si nous avons un premier ministre qui exécute les ordonnances du chef de l'État sans respectance, je pense que Magamounoso Eko Tambola Madame. Voilà mesdames et messieurs, information, il y a prochain premier ministre Zabungo, peut-être vendredi, chef de l'État a reçu qu'on nomme premier ministre, sauf changement. Voilà mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission, voilà, sur TV du peuple RD Congo. Nous vous disons sincèrement merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis depuis partout. En tout cas, merci beaucoup pour le soutien à Bino. Partagez notre émission, partagez une vidéo. Surtout, abonnez-vous massivement pour nous rater et le remonter. Merci à la caméra, Joseph Ntumba. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup à Saint-Forien Kalala, merci beaucoup à Papa Simon Dibou, merci beaucoup voilà, à mon très cher coiffeur Ciseaux d'or depuis Kinshasa, depuis Massina, en tout cas merci beaucoup à Henri Kongolo, merci beaucoup à Maman Angélique Lela, voilà, Bazaba Tubasungabi, Somakasi, donc merci beaucoup à Martha Tuité Nendibou, mais aussi à Adonis. Voilà, mesdames et messieurs, nous nous retrouvons très prochainement avec une autre actualité. Quant à moi, je vous dis au revoir.